Allez, attention au départ. Ça roule. Voilà, c'est parti dans cette épreuve avec Katsu qui part bien. En dehors également, on a Eagle, Félicieux du joueur Max, le numéro 8. Ils sont 6 de front. Qui va se rabattre en tête? Eh bien, c'est Dingue de Toile, numéro 6, qui va se rabattre aux commandes. En deuxième position, on a le 8, Félicieux du joueur Max, avec le 7 également qui est bien placé, au même titre que là, c'est P.O. Fort. Ouais, on ne sait pas qui citer en fait. Hein, avec le 6, Dingue de Toile, cependant attaqué par le 8, Félicieux du joueur Max. Ensuite, le 3. Copain du boulet devant le 7 Eagle. Ouais, on est un peu pris de vitesse à cet instant avec Arius Doué qui ferme la marche et Katsu qui est parmi les derniers également. On a pris la tête avec Félicieux du joueur Max, le numéro 8. Dans son siège, il y a Dingue de Toile, le 6. On retrouve également bien placé Clopin du Boulet, Eagle, le numéro 7. Un peu plus loin encore, là, c'est P.O. Fort avec Dickem. Le 9 venant également un peu plus loin, Apache Geloka. Regardez le favori pour l'instant, Cœur Baroque. Il est en avant-dernière position, juste devant Katsu. Et c'est toujours Arius Doué qui ferme la marche. Félicieux du joueur Max devant Eagle qui passe deuxième, le numéro 7 à la corde. Il y a Dingue de Toile, le 6 devant le 2. Et derrière encore épée au fort, l'As et le 5 progresse Dickem. On va passer devant les tribunes dans quelques instants. Il restera un tour à effectuer sous la conduite toujours de Félicieux du joueur Max, l'un des favoris. Avec à son extérieur Eagle, le numéro 7. En troisième position, Dingue de Toile côté corde, le 6. Le 5, Dickem à l'extérieur. Sur une troisième ligne, on retrouve Clopin du Boulet avec le 2, Droguedo qui s'est rapproché. L'As vient un peu plus loin, épée au fort. Et dans le siège de Droguedo, il y a Cœur Baroque, le 11. Katsu est très loin quand même hein, dans ce lot. Avec le 8 en tête, Félicieux du joueur Max. À la faute d'Eagle, le numéro 7. À la corde, Dingue de Toile, le 6 passe deuxième devant le 3, Clopin du Boulet. Et puis le 5. Hélas, épée au fort bien dans la corde. Ouais, attention à l'extérieur, Katsu qui attaque en troisième épaisseur. Arius de Doué le suit d'ailleurs dans son effort. Pour l'instant, Cœur Baroque reste parmi les derniers. La ligne d'en face avec le numéro 8, toujours Félicieux du joueur Max qui a l'avantage. Katsu qui vient de plus en plus vite. Hein, le numéro 4 qui emmène Arius de Doué, un extrême outsider. Alors qu'on se dirige maintenant vers le tournant final. Félicieux du joueur Max, le 8 devant le 4, toujours Katsu en dehors entre eux. Le 5, Dickem s'intercale à la corde. Attention aussi, ce Dingue de Toile qui est plein de ressources. Et puis de 12 se rapproche devant l'11, Cœur Baroque qui vient, mais en 4ème épaisseur. Ouais, il faut être caché pour Cœur Baroque. Il est un peu au large, là, Cœur Baroque actuellement. Et Arius Doué qui s'arrête, il n'est pas heureux, Cœur Baroque. L'ultime droite dans quelques instants, avec toujours le numéro 8, Félicieux du joueur Max, qui est attaqué par le 4 Katsu qui n'arrive pas à le déborder. Il est lancé à l'extérieur, Cœur Baroque, maintenant le numéro 11 qui vient très fort. Oui. Le numéro 4 qui a l'avantage, Katsu, mais Cœur Baroque va maintenant prendre l'avantage très facilement. Cœur Baroque, le numéro 11 qui va filer au poteau devant Katsu, le 4 qui va essayer de garder un accessite. Là, c'est P.O. Fort qui finit fort en dehors, le 11 qui s'impose, le 4 Katsu va essayer de terminer deuxième devant le 6 et l'As qui seront à la photographie. Oui, on va revoir cela pour les places parce que le 11, ça c'est sûr, mais Katsu s'est fait remonter peut-être.